Elle est un petit peu short. Et à la poutre, eh bien, tout s'enchaîne très vite avec Galida Tyrik pour l'Ukraine. L'Ukraine qui nous présente des gymnastes qui ont à peu près le même modèle que Lydia Potkopayeva, la championne du monde. Il doit y avoir un entraîneur qui doit avoir un critère de sélection. Oh là, relâchement total. Elle s'est un peu laissée aller car elle aurait pu facilement récupérer ce déséquilibre. La poutre qui va prendre dans quelques instants des dimensions supérieures avec l'apparition de Kuznetsova pour la Russie, d'Elvire Teza pour la France et Gina Gojian pour la Roumanie. Ah là là, et chaque fois... Nouvelle chute, c'est pas bon du tout pour elle. Alors, deux chutes successives, ça détruit une note... Alors, elle a sûrement beaucoup de qualités, cette jeune fille, mais il est clair qu'elle ne s'est pas bien concentrée sur le sujet. Voilà, une doublerie pour terminer cet exercice. Il manque un peu de tonicité, voilà. Oui, et ça ne rattrapera pas les deux erreurs. Voilà, le salto avant. Et vous allez voir, bien évidemment... Il y a beaucoup de grâce, mais en gymnastique, on peut tout sauver avec...